Hey, bonjour, bienvenue dans le studio du Bass Loopman. Je vais vous expliquer un peu aujourd'hui comment je fonctionne à partir des effets et du looper. Donc, on va commencer avec les effets du côté droit. Mon signal de basse, donc que ce soit la basse en la, la basse en mi, en si ou la basse piccolo, rentre tout d'abord par la première pédale qui est un tuner chromatique, le Polytune de TC. Après ça, on s'en va dans un compresseur multibande, compresseur de la marque EBS, dont je me sers en émulation de compresseur à tube. Après ça, on s'en va dans le Sonic Maximizer de BBE, qui permet de balancer le contenu médium, dans le fond, en rajoutant de la basse et des aigus. La pédale Drop de Digitech qui permet de faire du drop tuning à partir de la basse piccolo et de la basse en la. Le Qtron, c'est un filter, donc un envelope filter, si vous préférez un touch wah, qui fonctionne autant sur la basse que sur la piccolo et sur la basse en la. Sub and Up, qui est un octaveur polyphonique, qui est très intéressant aussi. Tout ça, ça s'en va dans un ABY, donc un splitter, de la compagnie Radial, donc qui permet de switcher dans une boîte directe pour envoyer le son directement à la console. On va suivre les câbles. On s'en va maintenant à une première pédale, un premier switch looper qui permet d'avoir deux, en fait quatre distorsions. Le premier circuit, celui du côté gauche, s'en va dans une distorsion Liverpool qui émite des amplificateurs anglais, donc un peu comme des Vox ou des Hi-Watt. Le Bass DI de Tech 21 qui permet à ce moment-là d'avoir plusieurs sons, 6 sons programmables de basse. Le deuxième côté s'en va dans une émulation de SVT que je me sers beaucoup plus pour faire des accords donc avec la basse piccolo ou la basse en la. Et la pédale de Dog qui est une grosse distorsion sale. Après ça, après ce circuit-là, on s'en va directement dans le Noise Gate ISP, qui permet à ce moment-là d'enlever les bruits de fond qui sont générés par les pédales High Gain. Ensuite de ça, on s'en va ici, dans un autre looper. Donc, il y a trois loops à celui-là. La première, c'est une loop de modulation qui contient le MXR Bass Chorus et le vibrato, donc le tremolo, le tap tremolo, TC Pipeline. La deuxième switch permet d'avoir accès au Rotocore, qui est une émulation de Leslie, en fait, qui permet d'avoir deux sons Leslie, un rapide et un lent. Et la dernière switch, c'est le Alter Ego, qui permet, en fin de compte, des émulations d'écho vintage. Et le Off, Hall of Fame, qui est un reverb, en fait. À partir de là, on s'en va dans une petite console. Donc, qui permet, dans le fond, de tout ramasser ça, d'envoyer ça en stéréo dans le looper Electromonix. Particularité de ce looper-là, il y a 6 tracks indépendantes qui peuvent être mixées donc, en panoramique. Je vais vous faire entendre, dans le fond, le résultat final de la dernière loop. On va la déconstruire. Donc, on a une basse à droite avec un son qui vient du Bass Driver Deluxe. L'autre côté, on peut élargir un peu le son qui vient de la pédale Dog, son distordu. Après ça, on a des accords. Et après ça, on a les mélodies. Possibilité de changer de mix, de changer de panoramique, de s'amuser.